Monsieur les rabbins, chers amis, notre ami Michael Seban réalise, je pense, de plus en plus ce projet. Il y a quelques années, donc c'était encore en, comme on dit, bismana à Ibourg, c'était un état donc, de gestation. Mais là, je pense qu'il y a une naissance de quelque chose, donc d'une, au moins une motivation et, et peut-être plus, à l'étude donc de, de ce texte fondamental. Comme il vient de nous le rappeler, donc le texte du Zohar. En 1984, c'est se passé à Paris, j'ai traduit un livre, enfin un livre, un passage du Zohar qu'on appelle La Hydra Zouta. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit livre, pas beaucoup de gens le connaissent. À l'époque, j'avais rencontré Charles Mopsic, Zechon Olibracha, et il me dit, pourquoi aller à la fin Parce que ce passage-là de La Hydra Zouta, relate la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais surtout cet enseignement de la dernière minute, comme si on ferme les valises, c'est le départ, le grand départ. Et là, je vous révèle euh, ce, qui est, euh, ce que personne n'a révélé jusqu'à présent. Et j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas si j'avais très bien compris le texte à l'époque, mais je me suis engagé sans trop comprendre pourquoi, cette euh, traduire. Euh, Traduire l'intraduisible, tout simplement. Et je, je me suis lancé dans, dans cette traduction en me servant bien sûr d un, d un, de certains commentateurs, entre autres de Rabouda Fataya à l'époque, qui a écrit à Inarekar sur l'Aïdra Rabba et l'Aïdra Mais pour beaucoup parmi vous, donc, c'est insignifiant, donc ce n'est pas tellement important. Mais juste pour vous dire qu'il y a 30 ans déjà, à Paris, qui donnait des cours de Zohar Donc je donnais un cours dans le 15e. Ça se passait à la rue Fondari. Il n'y a personne donc, de cette génération. Maintenant, <laughs> il n'y a plus personne. J'étais jeune, j'avais juste 24 ans. Et il y avait Chamopsi qui commençait donc, à cette époque aussi avec une, une traduction donc, du, du premier tome du Zohar. Vous savez qu'il y a eu déjà une traduction en français de Jean de Poli, avec beaucoup donc, de problèmes de traduction, etc. Mais est-ce qu'on peut réellement traduire cette pensée, la pensée du Zohar est-ce qu'on est, qu est capable de, de traduire, de transmettre En fait, se pose, la question se pose sur tous les textes fondateurs, tels que le Talmud ou la Mishnah, le Midrash. Mais le Zohar, voilà, il, beaucoup de chrétiens, depuis Pic de Mirandol et d'autres, se sont lancés donc, dans des traductions, des explications, des commentaires sur la Kabbalah et surtout sur ce texte fondateur du, du Zohar. Et bon, les Juifs, c'est un peu plus tard où on commençait donc à être préoccupés aussi par euh, les gens qui ne connaissent pas donc, le texte araméen. Mais aujourd'hui, en Israël, par exemple, plusieurs euh, traductions du Zohar en hébreu, puisque le texte est écrit en araméen quand même. Et des commentaires aussi, comme le Matok Midvash, comme d'abord le hashtag, le hashtag, le Rav Hashtag, il y a déjà euh, plus de 60 soix, soix, ans, oui, en 1959. 55 ans, donc, à commencé à le grand commentaire, le commentaire, comme disait tout à l'heure Michael, de A à Z, du début jusqu'à la fin, commenter, interpréter, analyser une encyclopédie sur le Zohar, mais en hébreu moderne, ce qui a donné donc à deux grands mouvements, on va dire moderne et un peu, peut-être plus que deux mouvements, oui, deux, trois mouvements, de, de Kabbal, Kabbal Sainter, etc., Kabbal Madonna, Kabbal aussi Leitman. Et, et d'autres Kabbalahs où il a ouvert des portes, il a ouvert des grandes portes à, à cette étude, à cet enseignement, ce qui était caché pour la majorité des, des Juifs et des non-Juifs de nos générations. Il a le mérite, donc, le Rav d'avoir euh, traduit euh, le Zohar et de l'avoir aussi interprété, expliqué. En ce qui me concerne, euh, j'aimerais dire quelques mots sur le Zohar, mais à partir du Ramchal, puisque, comme vous le savez, déjà depuis, si mon premier livre était donc la révélation du tout-puissant ou cette hydrazouta, cette petite assemblée les paroles à la petite assemblée mon second livre c'était déjà une biographie sur le ramphal en hébreu c'est en 1986 mais on n'est pas là pour étaler bien sûr ce que j'ai fait à propos donc de la et du ramphal et aussi un peu sur la Kabbalah, mais c'est juste pour vous dire que je me suis coincé avec le Zohar, à savoir je pas les clés je n'avais pas les clés pour comprendre ce texte exceptionnel. C'est un texte magique. Tout celui qui, qui lit ce texte, on, on, on est comme euh, il y a une sorte de magnétisme, on est attiré. Et c'est le livre du secret. C'est un livre du secret. C'est un livre aussi qui ne vous laisse pas indifférent. Il ne s'agit pas donc de, de connaissances seulement. Il y a une connaissance, bien sûr. Il y a des maîtres comme le Rizal et le Rampral aussi. Et d'autres qui, qui ont créé, fondé donc des doctrines, des systèmes de pensée à partir du Zohar. Mais le Zohar n'est pas un système de pensée, n'est pas, pas une doctrine, ce n'est pas dogmatique. On, on, on passe de beaucoup de choses et, et, et d'un commentaire d'un verset à, à une explication sur le chariot ou une explication sur le secret de la création ou d'un visage de Dieu, donc une manifestation de Dieu à une époque, etc. Et donc, bien sûr, les maîtres, il y a une place pour tout le monde. Et à part du Zohar, donc, bien sûr, Lorizal a, a fondé une doctrine qu'on appelle, enfin, qu appelle la cosmogonie ou la théogonie, une théorie divine de la création. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au début Même si le Zohar, là, déjà dans les, dans les premières pages, à part l'introduction, parle de ce début, de ce haïn, donc de, de ce non-manifesté de, de l'infini euh, la place qui va donner à la création donc de ce halal cette, euh, ce flambeau ce, donc cette lumière euh, infinie qui, qui s'investit dans la création et, et le Zohar relate cette première étape qu'on appelle donc l'espace primordial chez le le halal le timtsum aussi, le retrait de l'infini pour laisser une place à la création mais il faut savoir que le D'après Le Ramban, n'a donné que des clés pour comprendre le Zohar. À savoir, beaucoup de gens, beaucoup de maîtres aussi, ont oublié le Zohar, et ou plutôt, je dirais presque, ils ont occulté le Zohar. C'est un peu comme les gens qui étudient directement le Choranarouh, au lieu d'étudier le Talmud, à savoir la source, la source donc de, de la loi, la source de l'interprétation ou ce qu'on appelle la source de la loi orale, alors on va aller directement à la table dressée, à savoir la conclusion, la synthèse finale. En pensant que leur isale, donc c'était la synthèse finale, il n'y a plus rien après lui, on s'arrête là, c'est fini, personne n'a droit de le révéler quoi que ce soit, on reste ici. Et depuis isal alors tous, n'est-ce pas, c'est le Hari, c'est Rabbi Tzrakloria, donc il y a déjà plus de 500 ans, où on peut dire, à part quelques maîtres qui se sont, sont lancés à d'autres Kabbales, ou plutôt à, à une autre orientation dans la cabale ou. À une ramification de la cabale du Zohar, bien sûr. Je ne connais pas beaucoup. Bien sûr, le Baal Shem Tov a, a innové quelque chose qu'on qu ne retrouve pas entièrement dans la Rizal. Le Ramchal, le Hagra, a passé trois mètres. On peut dire le Hashtag aussi. Pour certains, le Ravi ou le, Rav et le Hashtlag, donc il y a une soixantaine d'années, c'est aussi une, un, nouveau système, un nouveau système. Mais à partir du Zohar et du Hari. Donc il a fait une synthèse et il crée un, autre, un nouveau système qu'on ne comprend pas d'autre. Moi, je ne comprends pas très bien. Mais il y a effectivement quelque chose de nouveau. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'enseignement du grand maître, le hashtag. Mais c'est surtout la Kabbalah de Tzfat, il y a 500 ans, où le Zohar a ressuscité. C'est sûr que en Espagne, au XIIIe siècle, le Zohar est né. Puisqu'au en fait, avant ce XIIIe siècle, s'il y avait donc le texte ou les textes du Zohar, ils étaient éparpillés. Et fermé et enfermé dans des salles d'études ou dans, chez des maîtres. Et donc, pas beaucoup de gens connaissaient ces, ces textes. Et à partir, et grâce à Rabbi Moïse de Léon, donc au XIIIe siècle, que ce Zohar va être connu par tous et il va devenir la Bible des Kabbalistes. Il n'y a pas d'autre Bible. Il est vrai que le cours d'Ovéro, donc il y a 500 ans, lui rapporte les autres maîtres, à part, le, à part les auteurs du Zohar ou l'auteur principal du Zohar. Donc l'enseignement de, de Rabbi Shimon Baruchay. Donc effectivement, chez le Cordovero, dans le par des on va retrouver des, des opinions différentes du Zohar. Il, il en existe, mais on, on voit toujours le Cordovero comme ce grand codificateur, Rabbi Yosef Karo pour, le, pour la Lacha, qui, qui fait une synthèse entre plusieurs maîtres. Euh, là, la synthèse était plutôt orientée vers Rabbi Shimon, vers le Zohar. Mais il essaie plutôt de trouver une solution pour ne pas mettre le Zohar en contradiction avec d'autres grands maîtres qui étaient à cette époque-là, non pas de Rabbi Shem mais de Rabbi Moïse de Léon. En tous les cas, euh, le cours de héros a, a fait un grand travail de synthèse. C'est le seul maître qui m'a à l'époque, parce qu'on pouvait lire un texte qui n'était pas dogmatique et qui n'était pas donc fermé dans une mystique qui qui nous enferme dans, et il nous bloque dans un système. Le Cordoveros laisse des portes, c'est un philosophe d'abord, c'est un grand penseur, c'est un Maïmonidien, et donc il a cet art donc de traduire, d'interpréter l'ésotérisme et donc la symbolique qui, qui est donc celle du Zohar et de la cabale de l'époque. Mais voilà, après le Cordoveros, j'ai trouvé un maître et, qui m'a orienté un peu vers le, le Rambral. Enfin, plusieurs mètres et, et j'ai trouvé donc le Ramchal, Rabbi Moshe Khen Moutsato, surtout le, le, le livre, le grand livre qui a été traduit en français aussi c'est le Kalar Pitré Horma les 138 portes de la sagesse et là je lis que au fait tout ce que le Harizal a écrit ne sont que des clés pour, possibles n'est-ce pas, des clés possibles pour comprendre le Zohar il y aurait donc d'autres clés nous, nous en parlerons donc de ces clés d'interprétation du Zohar. Lorsque Michael sebon disait tout à l'heure qu'il n'y a rien dans le Harizal qui ne se trouve pas dans le Zohar, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a rien pratiquement chez le Hari qu'on trouve pas dans le Zohar, ou au moins, je dirais, la source ontologique. Donc ce début, ce vrai début, la Mishnah, si on peut l'appeler ainsi, la, cette loi, cette tradition orale, elle se trouve écrite d'une manière exceptionnelle, je disais tout à l'heure magique, mais elle est ensorcelante. Elle, est, elle, nous, elle nous prend complètement la tête et on ne peut plus. Celui qui, qui a compris cette musique, parce qu'en fait, c'est, moi je dis que le soir c'est une musique, c'est un, un chant. Et dans le chant, il faut, il faut connaître les termes, il faut connaître donc ses, ses, les notes, il faut connaître les signes de quintillation. Quand vous connaissez les signes de cantillation, donc vous pouvez aussi jouer. Aussi avec le Zohar, vous rentrez donc dans cette musique et elle ne vous lâche plus cette musique. Vous dormez et ça continue à chanter. Et quand vous prenez cette fois-ci la Bible, la Bible, la Torah, le Chumash, vous ne pouvez plus le lire de la même manière. Et même si vous lisez la Mishnah ou la Gemara, donc sur l'exotérisme juif, alors vous n'allez pas rester aussi indifférent à leur explication. Vous avez un mot à dire parce que. Euh, le Zohar vous a ouvert, ou vous a découvert, fait découvrir une, une note ou une fréquence qui est de la plus bizarre qui existe. Alors, je ne saurais pas comment expliquer au fait le Zohar mieux que le Ramkhal à partir donc de la première page de Adimam Aram, c'est les pages que, avez, que je vous ai distribuées, sans plus tarder. Donc, nous allons lire euh, il y a une seule page, c'est au milieu. Pour ceux qui lisent l'hébreu, bien sûr. Sinon, les autres, vous allez attendre la traduction. Alors, le a écrit, entre autres, une, tra une, une traduction, non, pardon, une, un commentaire sur la, la Hydra Rabba. Hydra rabba littéralement, veut dire la grande assemblée, dix élèves, dix disciples neuf et rabbi shimon en tout 10 la petite assemblée ce sont sept trois sont morts dans le chemin et parce qu'en fait c'est un chemin comme dit tout à l'heure micaël c'est vraiment un chemin c'est une montagne mais c'est aussi euh, des plaines aussi on monte on descend on se promène plusieurs fois rabbi shimon part dans cette promenade il y a une promenade c'est vrai dans un verger une promenade au-delà au de la perception des sens c'est la force de Rabbi Shimon, c'est de nous amener, à, non pas dans une caverne, il nous sort de la caverne. Nous nous sommes dans la caverne, mais lui, il est dans une autre caverne, une caverne qui est infinie. Mais notre caverne, à nous, c'est celle de Platon qui est, qui est fermée entièrement et qu'on a l'impression de voir, mais on voit rien. Mais lui, Rabbi Shimon, lui il voit et c'est achazé, C'est continuellement, on vient voir, vient voir, et il nous sort, il nous sort tout le temps, continuellement, de cette caverne ténébreuse qui, qui est notre vie, quoi. Et même nos commentaires, parce que pour Abishimon, même le commentaire exotérique c'est aussi une caverne, parce qu'on est fermé dans nos explications, dans nos, dans un lévouche, dans un habit. Donc on voit tout à travers des habits, à travers, mais rien n'est mis à nu. C'est vrai que la Kabbalah met nu tout le monde, à nu tout le monde, à savoir, elle, elle dénue tout, même le divin. Donc elle, elle révèle tout. C'est pour ça qu'il faut être très 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 prudent de ne pas tomber dans la vulgarisation, dans le tropomorphisme aussi. Dans les formes qui sont interdites, etc. Et c'est la force de Rabbi Shimon d'avertir aussi continuellement ses élèves attention, ne, ne vous arrêtez pas à la forme. Parce qu'au fait, il dénue quelque chose il retire les vêtements. C'est ça le sot c'est ça le secret. Il faut rentrer dans l'intimité pour ne pas que ce soit de l'adultère ou de la débauche. Alors, pour ne pas être un débauché dans la Kabbalah, il faut avoir un maître comme le Ramral. Sinon, c'est vrai, le Rizal aussi. Il y a beaucoup de débauchés aussi dans la Kabbalah. De débauchés parce qu'on est capable de tout dénuer, de, de mettre tout le monde à nu. Parce que c'est une force, c'est un enseignement qui, qui ne veut rien cacher, qui retire donc tous les rideaux. Bon, je ne vais pas me rentrer plus que cela, mais je vais, on va aller tout de suite à Dibamarom. Un des grands arrangements, une des grandes réparations qui ont été donc arrangés et réparés dans le monde, c'est le Sefer HaZohar, c'est le livre donc du Zohar. Kacher, Dans le texte du même du Zohar, on rapporte donc les louanges et les, les enseignements qui montrent donc la, la grandeur et la puissance du Zohar. Et là, le Rampra nous donne tout de suite le mot clé qui, à mon avis, résume l'objet même du Zohar. Qui la Il a été préparé et arrangé pour la délivrance. Bien sûr, il y a une délivrance qu'on appelle la geula la délivrance individuelle, générale aussi, du peuple juif, mais aussi, je dirais, des nations, de l'humanité entière. Rappelez-vous tout à l'heure, Pic de Mirandole aussi. Mais à part Pic de Mirandole, beaucoup, beaucoup, beaucoup de maîtres chrétiens et, et d'autres aussi, vous savez. Entre les guillemets ou entre parenté, je ne sais pas. Euh, si vous rentrez dans le site de Leitman, pour ceux qui, qui rentrent dans le site de Leitman, à part de l'enseignement du Ravashlag, on est arrivé au Japon, on est arrivé au Japon, en Inde et partout. Bon, c'est vrai, c'est de la vulgarisation que je n'aime pas beaucoup, mais ceci montre une certaine motivation de tous les peuples de comprendre l'origine, tout simplement. Leur origine aussi, l'origine de l'existence, mais c'est aussi la direction divine du monde de comprendre l'histoire non pas comme euh, un carrefour de faits, mais de comprendre une, euh, le sens vrai de l'histoire, le sens divin de l'histoire, l'historiosophie, ou plutôt, euh, je n'ai pas le terme, mais une, une histoire avec un sens profond, à savoir qui a un but aussi, qui dirige une force qui dirige et qui amène le tout à un but ultime. En tous les cas, donc, pour le ramkhal, le, le, le Zohar lui-même a été écrit pour la Géoula. Là aussi, dans le texte que le ramkhal va interpréter et commenter, malheureusement, juste le début de ce texte, dans ce texte qui se trouve dans parachat Nassau, à savoir la Hidra rabba. Cette grande assemblée se trouve dans la parashat Nassau, troisième tome du Zohar, page 124b. Au Begin in Israël et Mita À la fin des temps, Israël goûtera à l'arbre de vie. Deuhaï Sefer Azohar, c'est le Sefer Azohar, c'est ce fameux arbre. Il y a l'arbre de la connaissance et l'arbre de l'éternité, ou, ou la voie de l'éternité, qui est donc Etsachaïm c'est la, la, la voie de la dualité. C'est Tovara, c'est notre voie à nous, la voix de toute l'humanité. C'est la voix donc de Etsadat, comme explique le Ramchad dans D'at. Vous note à savoir sur le, la distinction entre ces deux arbres où le premier homme est confronté, d'une part, la voix de la perception des sens, qui est donc euh, la voix de la dualité, comprendre une chose par le contraire, et l'autre voie, c'est la voix de la Kabbalah, c'est le Etsachayim, parce que effectivement le Zohar va nous ramener à cet arbre ou à cette voie qu'on a ratée, ou qu'humanité a ratée, que Adam, Adam Marichon a raté donc le premier jour de sa vie, tout simplement. Alors le Zohar, grâce à Rabbi Shimon, on va retrouver, mais Israël va goûter. Et cette fin des temps, c'est en Espagne, comme disent d'ailleurs tous les maîtres kabbalistes, ça se passait en Espagne avec la révélation donc, du Zohar en Espagne, à une époque bien sûr très sombre mais à cette époque là donc cette lumière d'oire a éclaté et à partir de ce livre à partir non pas l'enseignement hein, à partir du dévoilement de ce livre tout simplement alors ils sortiront de l'exil par la miséricorde on peut sortir de l'exil avec des, 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 des coups de, de marteau, des coups de couteau, des coups de, de bombe atomique, et la guerre mondiale, etc., et la deuxième guerre, la première guerre. Mais il y a une manière de sortir de l'exil, d'une manière euh, douce. C'est à partir du zohar. Pas du zohar, donc dit, dit, le zohar, tout simplement que Israël sortira de l'exil. Donc on peut sortir de l'exil, des ténèbres, des limites. Cette voie qu'on appelle de la miséricorde. Mais en vérité, pour comprendre tout cela, il faut comprendre aussi, d'après le Ramchal, la direction divine du monde. Pourquoi le Zohar Pourquoi uniquement le Zohar Nous avons le Talmud et le Talmud résume bien tout l'enseignement c'est la synthèse de tout l'enseignement de tous les maîtres. Après la destruction du temple, parce que à l'époque du temple, on n'avait pas besoin de Talmud, on avait la prophétie, on avait les prophètes, donc c'était l'enseignement des prophètes. La tradition était l'enseignement prophétique. Mais maintenant qu'il y a plus, il y a juste une, il y a une culture donc de la euh, du service, du service du temple, donc on est uniquement, on se résume. On se résume donc à uniquement un culte, tout simplement à un culte, à des corbanotes, à, à des sacrifices que Dieu n'en veut plus. Il n'en veut plus parce qu'on a perdu le sens. C'est pas qu'il n'en veut pas, mais c'est n'a plus de sens. Dieu ne, ne se rassasie pas de, de ces ni de ce sang ni de, ni de ces graisses. En tous les cas, le temple est détruit. Euh, les, enfin, le temple, c'est les murs, hein, les pierres sont, sont détruites. L'or et l'argent et, et, et les graisses et les huiles. Bon, on les laisse aux Romains, on n'a pas besoin de tout cela. Et il faut dévoiler autre chose. Il faut redévoiler l'enseignement caché. Et donc, commence, d'après Laurent Pral, euh, le dévoilement donc de la sagesse d'Israël. Parce que, comme si le temple, à un moment donné, surtout le deuxième temple, occultait la sagesse. On n'était plus dans la sagesse, on n'était plus dans la science divine. On était dans d'autres choses, sans donner trop de définitions mais on était dans d'autres choses et il fallait recréer ou reconstituer cette science. Regardez la note 1, la note 1 dans en fin de page, c'est les grottes, c'est les la correspondance du Ramchal que j'ai publié aussi HaShem. Siman Tedvab, dans le chapitre 15 où le Istachelut Là le Ramchal explique à son maître l'enchaînement de la science mais à partir de la destruction du temple, parce qu'effectivement, avec la destruction du temple, on a perdu toute orientation. C'est fini. L'exil, c'est pas seulement l'exil d'un peuple. Non, tout ça, c'est de la forme. Mais c'est l'exil de la présence divine qui était avec nous. C'est l'exil de l'enseignement. C'est l'exil de la sagesse. C'est l'exil de la science divine. Il n'y a plus rien du tout. On n'a plus de sens. On n'a plus d'orientation. On a perdu donc le, le sens, tout simplement. Du judaïsme. Le judaïsme n'a plus de sens. C'est ça la destruction du temple. Et là, le sens va commencer avec Yavneh. Bien sûr, avec Rabbi Yochanan et Yavneh, où Yavneh dit Bon, allez, prenez le temple, prenez Jérusalem. Donnez-moi juste une école, c'est tout. Une école où, où je peux construire, reconstruire. C'est ça Yavneh. C'est reconstruire, reconstruire Israël par la science, par la connaissance divine. Tombe détruit, c'est pas grave, on continue, la vie continue et on continue à construire. Maintenant, on va construire l'intériorité d'Israël. Mais voilà, en reconstruisant donc, le, la sagesse d'Israël, on est toujours dans, Kérim dans ce Yavné, et on se dit il va y avoir un jour donc, la technologie, la grande technologie, high-tech, iPhone et toutes les grandes découvertes les plus grandes découvertes du monde. Donc, ma foi, qu'est-ce que c'est la Torah Qu'est-ce qu'elle peut nous attirer Il y a des films plus intéressants que cela, que la Torah. Il y a des théâtres aussi, beaucoup mieux que tout cela. Il y a aussi Shakespeare, il y a, a d'autres, etc. Atida Torah, je un jour, cette Torah va être oubliée. On sera plus capable donc de dépasser le temps et de fournir justement euh, cet enseignement, cette science, à tous et, et à tous les temps et à tous les moments. Et donc les maîtres disent, euh, qu'est-ce qu'on fait venait c'est très bien, mais tout le peuple juif est dehors maintenant, et, et, et tous ont commencé à être attirés avec d'autres sciences et d'autres connaissances. Et là, on a quelqu'un qui s'appelle Rabbi Shimon. Il nous dit, non, non, la Torah ne sera jamais oubliée par Israël. La Torah ne sera jamais oubliée, il y a un verset clair dans la Torah qui signifie justement que cette Torah est immuable, cette Torah est immuable. Est éternel. Oui, mais si on reste uniquement juste au niveau donc de l'exotérisme, de la forme de la Torah, dans ce cas-là, on n'arrivera jamais. En, euh, ce sera démodé. Cette Torah sera démodée. Et combien de personnes vont se soumettre à, euh, à quoi Des lois sans faire du folklore Comme la majorité aujourd'hui du peuple juif fait du folklore avec, avec leur judaïsme, qui n'est pas mon judaïsme, je sais, mais. Avec le judaïsme, on a fait un grand folklore. Qu'est-ce qu'on connaît de Pessar, de Matzah Juste une petite histoire. Et, et même cette histoire, combien il est erroné lorsqu'on ne connaît pas le véritable sens. Un grand maître comme le Baal Shem Tov aussi a vu cette défaite du judaïsme et, et a sauvé ce qu'il pouvait sauver là-bas en Pologne et en Russie aussi. Mais avant lui, avait, avait, en même temps que lui, non, c'était après lui, juste après lui, c'était le grand de Vina aussi, on a vu cette défaite aussi. Je dirais du sens du judaïsme. Et avant eux aussi, il y avait le Ramchal. Le Ramchal qui a vu que, effectivement, cette Torah, à l'époque, la Kabbalah se résumait, comme je vous ai dit tout à l'heure, au Arizal. Le Ramchal disait, c'est rapporté aussi dans l'introduction du le philosophe et le Kabbaliste, c'est-à-dire le Ramar Dans cette introduction, le Ramchal dit que. La Kabbalah est, est devenue maintenant comme quelque chose de tellement scellé que les maîtres, les véritables maîtres du judaïsme, étant donné qu'ils n'ont pas les clés de l'interprétation, et ils ont juste un plan d'enchaînement A, B, C, D, alors ce qui signifie qu'on a juste des mots, ou plutôt des étapes de la transcendance, ou des étapes du chemin du divin vers la création. Mais sans réellement une véritable compréhension de ces choses-là, et, et les gens parlent de ceux qui ne connaissent pas, la majorité d'ailleurs, et, et, et rapportent juste des mots qui sont des symboles. Mais personne a le véritable plan, ou plutôt, il nous manque la véritable interprétation. Le Ramdah dit déjà à son époque, donc il y a 300 ans, que cet enseignement était, est tellement scellé que, au fait, que les maîtres ont abandonné cet enseignement. Parce que, faute d'explication, ou plutôt d'une voie rationnelle. Et le Ramchal s'est mis au boulot, au travail, et il a écrit donc, euh, aussi bien le Kalar Pitre Chorma, les 138 portes de la sagesse, mais aussi le Vicoir lui-même. Il explique euh, l'objet de sa, de sa philosophie, de sa pensée, etc. Qu'on ne peut pas garder cet enseignement de cette manière-là, parce qu'on est dans une situation. Ou dans une époque où il y a plus de maîtres. Avant, il y avait beaucoup de sofrim et très peu de sfarim. Beaucoup de maîtres, peu, de... il y avait beaucoup de maîtres et très peu de livres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres et très peu de maîtres. Alors, on est dans une situation donc, où il n'y a plus personne pour nous donner les clés. Et pourtant, les maîtres du Talmud nous disent il faut être à deux dans cet enseignement. Donc maître et élève, pas plus que cela. Et comment Si maître et élève, il faudrait pour chaque élève un maître. Impossible. Impossible. Et donc, euh, il faut commencer à traduire, ou plutôt de donner les clés. Et ce qu'a fait Laurent Bral. mais pour revenir au Zohar, parce que le Zohar, justement, c'est cette plateforme première qui, elle, a déchiré le rideau, le rideau qui séparait le ciel et la terre, tout simplement. Le Zohar, dit Laurent Bral aussi, c'est comme une sorte de création tiam souf. C'est une sorte de, de, de la déchirure des eaux. C'est la cria, c'est déchirer le voile pour te montrer justement Vayar Israël et Tayyad Agedola. Comme dans la traversée de la mer, il est écrit et Israël, les enfants d'Israël ont vu la grande main de Dieu. Eh bien, le Zohar nous amène à cette perception de la grande main de Dieu. La grande main de Dieu aussi bien dans la création que dans la direction divine de l'histoire. Ce pas seulement au niveau de l'origine du monde, mais c'est aussi dans l'histoire, comprendre aussi, parce que les histoires qui sont rapportées dans la Torah, que ce soit d'Eliézer de avec Rivka ou de Korach avec Moïse, sont en vérité des modèles divins, mais qui ont épousé des formes historiques. Et donc, dans chaque histoire, il y a un enseignement divin au-delà du temps. Et au-delà donc du moussard de l'éthique qu'on peut tirer aussi de la Bible, on peut transformer la Bible en un livre d'éthique. Comme a fait Lévinas et d'autres grands maîtres. Ce qui est louable parce qu'il y a un grand enseignement au niveau donc du comportement humain. Mais aussi au niveau de la loi. Je peux le rendre un livre de loi. Et la va va Mishpatim, à savoir comment me comporter, pas seulement au niveau éthique, mais au niveau de l'action, au niveau du shabbat, au niveau de l'amour du prochain, et à tous les niveaux. Mais en vérité, c'est beaucoup plus que cela. Tout cela, dit le Zohar, c'est au niveau des deuxièmes tables de la loi. Au niveau de ces, des secondes tables de la loi, on a raté l'infini dans la première rencontre avec l'infini. Et là, on a un infini, mais qui se couvre à travers des enseignements qu'on appelle des lois et des histoires. Et là, Rabbi Chaim Vital, au début de son grand livre, le magnum opus à lui du de, de Ezraïm, va nous dire attention, celui qui considère la Torah comme des histoires, c'est très grave de résumer ou de réduire la Torah à une histoire, et j'ajoute, même à des lois. Parce que c'est un enseignement divin. C'est un enseignement de la Géoula, un enseignement de la délivrance. C'est un enseignement, au en fait, qui nous amène à l'infini. Parce que, justement, dans la Hydra Rabba, dans cette grande assemblée, Rabbi Shimon va révéler une manifestation de Dieu où lui-même, il dit que jamais cette manifestation a été écrite dans la Torah, sauf une seule fois. Une fois dans la Torah, on parle d'une manifestation de Dieu qui est l'essentiel et de laquelle on vous parle dans la Torah, ou plutôt dans la Torah exotérique. On vous parle de Dieu en tant que justice. C'est pour ça que tous les historiens du judaïsme, qu'est-ce qu'ils retiennent de Dieu d'Israël, le Dieu de la justice, le Dieu jaloux, etc. C'est faux. Ils ont réduit Dieu. Ils connaissent pas Dieu, le véritable Dieu d'Israël. Le Zohar va révéler le Hatika Kadisha, l'ancien des anciens. Et donc, c'est le Zohar qui veut nous amener à cette découverte de Dieu. C'est la déchirure des eaux. C'est le rideau qui est tombé. Mais après le Vaudor, le rideau est retombé. Nous sommes après le Vaudor. Donc, il faut maintenant casser les écorces pour aller dévoiler et retrouver l'infini dans ces histoires drôles. Mais attention, ce pas des histoires drôles pour ceux qui ont les clés. Pour ceux qui ont lu le Zohar, ce sera plus des histoires drôles, parce c'est l'histoire de Dieu. C'est l'histoire de sa pensée à lui. Ce sont ses manifestations de Dieu, et qui épousent des formes, et qui peuvent prendre une forme bizarre, quand de <coughs> Velibo. Dieu est angoissé après, la cré... après le déluge, et il se dit, pourquoi j'ai créé l'homme C'est bizarre. Dieu qui regrette, qui connaît la fin au début, il sait, il connaît l'homme quand même. Qu'est-ce qu'il a regretté? Donc, il faut avoir une autre grille de lecture. Le Zoar n'est pas seulement une grille de lecture. Je vais terminer parce que j'ai dépassé mon, mon quota. Mais puisqu'on est dans l'infini, on est dans le Zoar. <laughs> si on ne m'arrête pas, je, je peux rester jusqu'au soir. Je, je, je vais prendre la place aux, aux maîtres qui sont là. Parce que c'est sûr, ils ont aussi à dire beaucoup. Parce que tout celui qui a ouvert juste le livre à dire sur ce sur cet enseignement. Donc pour en fait conclure sur cet euh, enseignement de l'infini, à mon avis c'est l'enseignement de l'infini, c'est Atika Kadisha, c'est le Dieu avant la création, parce que le Dieu de la création c'est Elohim, et même si tu écris à et Hachem, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, et moi-même je suis sorti d'Égypte, Dieu dit moi aussi je suis sorti d'Égypte, parce que on ne connaît que par la création, ma carte de visite c'était juste Dieu Créateur, la carte le Dieu d'Abraham c'est le Dieu Créateur, c'est tout. Mais on ne va pas de Dieu créateur, nous, parce que créateur, c'est quoi C'est les lois, les lois immuables. On n'est pas dans la liberté. La Géoula, c'est la liberté. La liberté, c'est la sortie d'Égypte. C'est Dieu qui sort des limites et il parle. Où vous avez vu Dieu qui parle, vous Et bien voilà, Dieu qui parle, il sort. La parole, dit le Zohar, est sortie de l'exil. La parole, sa parole à lui. Parce qu'au début, la création, vous avez dit, mais Dieu a créé le monde par la parole. Non, pas du tout. Le Ram explique dans le Sodaïroud que le monde a été créé par les havalim, par les, les vanités, par les souffles de la bouche. Les souffles de la bouche. Non, pas la parole. La parole, c'est autre chose. Dieu va être d'abord à Seretadibérot, à et à Les dix paroles créatrices ne sont pas les dix paroles, non pas les dix commandements, mais les dix paroles de l'infini. Dix séphirotes, dix émanations il y a dix lois qui vont amener le monde à l'éternité Harut, vous allez dépasser l'ange de la mort, dépasser tous les anges, si on dépasse cet ange, si on dépasse la mort, si on surpasse la mort, on surpasse tout. Eh bien, les premiers étapes de la loi étaient de ce niveau-là, de ce Atika Kadisha, de cet ancien, mais après, à Elohim, ils ne veulent pas cet ancien, ils veulent rester dans les limites, dans les lois, dans les lois, Très bien, alors vous allez retomber maintenant à Elohim. Haché el khoulfanou c'est les deuxième table de la loi. Mais cette loi, elle est liée au temps. C'est ce que dit le, Zohar, euh, le Ramchal. Parce que le, la Mishnah, regardez, la Mishnah, beaucoup de ont été réalisés dans l'histoire du peuple juif après la destruction du temple. La première, le premier tikkun, c'est la Mishnah. C'est Rabbi Oudanassi. Lui, il a fait le premier tikkun. Pour ne pas laisser tomber le peuple juif, il lui crée un code. Mais avant, on n'avait pas besoin de code, on avait le temple. Mais le temple est devenu quelque chose de bizarre, de très bizarre, et donc euh, c'est l'anarchie totale. C'est le culte euh, du n'importe quoi, et donc on arrête ça, on préfère un code. Mais attention, même le code aussi, le code c'est aussi une aberration, parce que pourquoi une aberration Être là, saute la chaîne. Vaut mieux ça que rien. À savoir, limiter tout cet enseignement à un code, c'est ça le peuple juif. Il va redevenir un code. Bon, mais être là, la Nous allons transgresser cette loi qui dit qu'il ne faut pas écrire la loi orale. Et on va l'écrire quand même parce que il faut sauvegarder le peuple. Il faut le sauver, il faut le protéger. Par une loi. Alors on continue, la Mishnah, Tikkun Agmara, Tikkun Amidrashim, après le Talmud, après le Midrash. Shikulam Tikkunim, Pratiim, ce sont des Tikkunim, des réparations ou des arrangements. Mais au niveau de la temporalité. C'est au niveau donc du temporaire. Selon l'ahara, selon l'illumination de la divinité, à ce moment-là, à savoir quel est le flux divin qui régnait à cette époque-là. Selon le flux divin, les maîtres ont écrit quelque chose ils ont déposé le flux. Mais ce flux, il est l'ordre du temporaire dans la la Rouach Mishkal, à propos du verset dans Yov, dans Job, faire au souffle un poids. La Hassot la Rouach Mishkal, c'est quoi faire au souffle Le souffle divin, il faut lui faire un poids, un livre. Un poids, un livre, un poids, c'est ça le Mishkal, à savoir un support. Il y a un support du souffle, un support de l'esprit. Le support de l'esprit, c'était la Mishnah, la Gemara, mais attention, Atikun ole al Alkulam. Mais la, la réparation du Zohar est le plus grand de tout ce qui a été fait dans toutes les générations. Sodohu Pnimiut tatsmo parce qu'il s'agit donc de l'ordre de l'intériorité. Il s'agit plus de l'interprétation de l'exotérisme. Parce que quand vous voulez sauver quelqu'un qui est en train de, de se noyer, vous n'allez pas lui dire il est écrit dans. Non, non, il faut lui dire maintenant une action c'est une bouée, c'est une corde. Donc il, il faut s'en sortir d'abord du marécage. Pour comprendre cet enseignement, quelqu'un qui n'est pas libre ne peut pas comprendre le Zohar parce qu'il est enfermé. Il faut qu'il sorte de la caverne, mais pas la caverne de Rabbi Shimon, c'est la caverne de Platon, n'est-ce pas Dans celle, la caverne qui, qui cache. Non, non, il faut accepter qu'il y a en dehors de ta perception, qu'il y a autre chose de ta perception parce que tu t'attends pas à cela. Dans un midrash, comme dans un rashi, comme dans un Talmud, c'est tellement logique que même un grec peut le dire. La preuve. Regardez ce qu'a fait Lévinas aussi. Ceci dit qu'on est capable de suivre un raisonnement et n'importe qui est capable de le suivre et même d'avancer, d'anticiper. Parce que c'est la logique humaine. C'est la logique aussi de l'esprit de l'homme. La logique, l'homme a été fabriqué à partir d'un principe qui s'appelle une logique. Il y a une logique de la nature. Aristote l'a découvert. Mais après lui, il y a d'autres aussi. Il y a Pierre de l'Armée et d'autres maîtres qui ont dévoilé la logique. Et les grands maîtres de la logique juive, c'est le Talmud. Mais attention, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la logique, donc on ne s'attend pas à ce qui va être, qui va être dit. C'est cela le Zohar. Le Zor, c'est la délivrance. On ne s'attend pas justement à ce dévoilement tout à coup. Je termine. Quand je lis un passage du Zohar, comme Patah Rabbi Shimon, ou Kam Rabbi Shimon, Pata ben Mar » Rabbi Shimon s'est levé, se lève, ouvre la conférence et dit Ou bien Arima, Tiadibeslotin, je lève les mains vers les cieux, ou bien un Rabbi Shimon qui pleure. Alors, il y a dans le Zohar une sincérité, une sincérité, je dirais une authenticité de quelque chose. Qui réveille notre inconscient, qui réveille de ce qui est le plus fermé en, en nous, c'est l'âme. C'est le dévoilement de l'âme humaine. Quand quelqu'un, les voit, avec les maîtres, bien sûr, qui, qui ont compris, parce qu'eux ont ouvert déjà ces portes, qu'on trouve cette sincérité, cette authenticité, je dirais, qui, euh, je dirais de, 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 ce, de ce lieu du Sinaï, mais avant le Vaudor c'est ce qu'il dit à ses élèves dans la Hydra Rabat, dans la grande assemblée, je vous rassemble maintenant, ce qui va être dit maintenant a été dit dans les premières tables de la loi, dans le premier enseignement. Avant que le rideau tombe, il y a quelqu'un qui a accroché cet enseignement, ou plutôt qui a dénué cet enseignement de l'enveloppe. Il a retrouvé l'essence même du judaïsme. Le zohar, c'est l'essence même du judaïsme. Voilà. Merci.